Mais de combien, si un web qui peut te jambe le respect sur la terre, c'est là, c'est le temps. Le temps passe vite, mon frère. Pour à l'époque, j'étais le grand cas de mon quartier. Le gonzilla, que quand il faisait, tout le monde se cachait seulement. Oui, petite histoire de recelage et de bloc inta. Les niais sont que me cota. Mais voilà, j'ai tapé 12 ans sec en gata. Je sors d'une gata avant-hier, j'arrive à l'entrée de chez moi. Petit frère embuscade, c'est trois petits frères en face de moi, avec Ingo. Il regarde la go comme ça, les cinq sont debout, Bobby Tana. Il dit, petit soeur, pour à l'époque, ta poitrine était plate. Et à quoi, mon petit? Il me dit que grand frère, c'est le taxage. Nous, on a faim, on mange dans tes poches aujourd'hui. Il dit, petit frère, tu me connais, petit frère, si ton zilajo. Petit frère ramasse la latte. Il dit, grand frère, si tu ne réagis pas tout de suite, je vais te frapper la latte sur la tête. Et le petit frère, là, petit frère, voilà ma tête, frappe. Frappe, petit frère. Vous ne savez ce que le petit frère là, donc? Le petit frère là m'a allumé. Là, ma tête, c'était le vide. Ça me disait, oh, le tunnel. Yeah, ngajoale, ngajoalo, venez m'arrêter au carrefour, ngola pêchi. Yeah, quand tu souvent que le blanc déteste le noir, je croyais que c'était la blague. Voilà les Américains qui ont annoncé la sortie du iPhone 13. Ngola pêchi, la femme de Dieu avait décidé qu'elle ne fait plus elle la bordellerie, qu'elle ne vend plus elle le piment, qu'elle ne mange plus l'argent des gens comme ça. Ngola pêchi a commencé les neuvaines, les prières, les jeûnes. Elle a cherché le travail, ngola pêchi commence son travail dans 2 semaines. Yeah, pourquoi vous annoncer la sortie de iPhone 13 aujourd'hui. Yeah! L'enfant de Dieu va encore prendre 13 plantains. 13 coups. Bon, la pêche avait déjà utilisé le bas de karité. Ça se fermait déjà. Le trou là était à devenir rond comme ça. Yeah! Go va encore prendre 13 plantains. Go, continue tes prières. Yeah! 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 Ouais! Merde, combien? Dieu a créé quelque chose sur la terre ici. L'ongamien. Hey, c'est la magie. Et il n'a pas oublié de créer les maladies qui vont avec. Tout ce qui concerne le gomme neuf est douloureux. Règles, douloureux. Accouchement, douloureux. Déviègement, douloureux. La chaude pisse. Combien? Si tu n'as pas encore eu la chaude pisse, ça veut dire que tu n'as pas vécu. C'est un diman qui s'installe toujours froidement dans le poussi, dans le miau. Joe, il installe là pendant le gomme neuf. Que même si c'est le braquage, tu y as le présophène pisse, tu ne peux pas t'arrêter. Pourtant, c'est juste quelques secondes de plaisir. Hein? 10 secondes, juste le temps de faire. Ah, c'est fini. Mais après, Joe, la chaude pisse. C'est comme s'il y avait un tas d'urine emmagasiné dans ton ventre que à l'heure, là, l'urine avait seulement sorti, mon frère. Il n'y a pas moyen, mon frère. La chaude pisse. Hey! Les gars, protégez-vous. Protégez-vous. Quelle maladie de... Quand tu vois une fille qui sort de quartier comme Bonamous a dit, Santa Barbara, Bastos, Oja, quartier résidentiel, là où il y a seulement les grosses doses barrières écrites dessus, attention, chien très méchant. Quand le genre de fille lâche, voilà comment son visage est. Après, tu entends seulement chou, sans trop de souffrance, le caca est sorti, c'est d'abord joli à voir. Tu sens une fille qui dort à temps, 20 heures dort déjà, elle mange équilibré au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais quand une fille qui sort des quartiers comme Nilon, Mangue, Sokada, Bepanda, Texaco, Aéroport, Bilongue, Eligue, Joshi, voilà comment son visage est. Après, tu attends seulement fou, le caca sort, ça tape au moins 10 minutes en l'air avant d'atterrir dans l'eau, que pouah! Ça, c'est le toilette du dehors. Tu sens la constipation, le congé, coquille macabo, manioc avec le coq. Tu sens même le Congo ça. Elle est dans par temps. À 2 heures, elle est toujours sur WhatsApp en train d'écrire aux gens. Elle fait la vidéo TikTok à 3 heures pour dire aux gars comment elle a faim. Yeah! Yeah! Mon frère, si elle te bloque, elle te débloque, elle te rebloque, elle te redébloque. Joe, si elle tente ça pour la 3e fois, épouse-moi la sorcière là. Elle t'aime. Salopard, dans ta tête, c'est le pop-corn. Mais, tu m'as développé, mais. Je te développe que tu as l'argent pour créer ma douleur. Alors, parle des choses que tu parles là-bas. Bon, pasteur, on joue comme ça là. Tu as quoi? Moi, tu me gâtes la vidéo, non, mais. Merde, combi, le dehors est risqué, le monde est devenu dangereux. Tout est basé sur l'emballage, rien dans la marchandise. Mon frère, tu tombes devant une go, belle d'abord comme les problèmes, comme le jus de fruits de Maureen, ballerine for the pieds, petit pantalon Dean Levis, chemise Wrangler, make-up for the face, sur la tête brésilienne, ça arrive aux fesses. Joey, parfum Paco Rabanne, smart, eau sauvage, eau de Katina, eau de gorille, barbe d'escargot, mof, tu n'as encore rien vu. Tu arrives à la maison, dès que c'est des habits, tu connais ce qui t'accueille.
C'est d'abord les grosses vergetures. Je ne parle pas des vergetures qui excitent la vergetures naturelles là. Les grosses vergetures, que ce n'est que le Njansang qui donne la qualité là, mon frère. Joe, dès qu'elle écarte ses pieds, tente de descendre là-bas avec ta tête mof, tu vas mourir. Dieu avait donné l'odeur aux fesses, non? Mais il y a une autre qualité des fesses là que tu as senti l'odeur d'une souris morte. Le genre que tu donnes le arata chop d'ail quand on t'a menti que ça sèche, pourtant ça ne sèche pas. Comme le dehors est toujours risqué, il s'agit toujours des histoires, des emballages. Ma chérie, aujourd'hui, il n'y a que l'emballage qui compte. La marchandise ne sert absolument à rien. Tu tamponnes un gars dans la rue, baraqué, costaud, géant, grand de taille, noir comme le contact comme vous les aimez, abdos, élégant, charismatique, aux pieds, sebago d'oxaï, petit pantalon digne diesel kaki, aux chemises Wrangler, sur le corps, parfum Paco Rabanne 1 million, smart humeur. Ma chérie, n'oublie surtout pas, il en gagne comme ça, foiré, il est rien. Arrive dans la chambre, lui, il est beau, non? Oui, dès qu'il enlève le pantalon, tu te fais d'avoir accueilli par des petits pointillés de trous en bas de son bermuda. Oh là là, s'il a les fautements, c'est la mort. Ma chérie, dès qu'il enlève, va vers ses mimbans avec ton petit doigt-ci. Essaye de caresser, de gratter un peu ses mimbans comme si tu voulais l'exciter dans un sien modèle. Hein? Tu as déjà écaillé le poisson bas? Tu vas confirmer. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent qui veut changer sa peau? Les gars sont ça. Ngozaberi, Vanessa, je t'ai appelé combien de fois, Vanessa? Tu n'as pas peur de Dieu? Tu n'as pas pitié de tes parents, Vanessa? Ce matin, en quittant le quartier, la jupe de ta tenue était au niveau de la cheville. Tu rentres le soir à 17h, la jupe est au-dessus du genou. Vanessa, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que tu échoues le probatoire, Vanessa. Tu ne comprends pas quoi, la fille, ici. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Tu es toujours en train d'engueuler avec les enseignants. Vanessa, d'autres filles ont commencé ça la première année. Elles ont quand même donné l'enfant à leurs parents. Les enfants ont déjà 6 ans aujourd'hui. 7 ans, ils vont à l'école. Tu n'es pas obligé de fréquenter, Vanessa. Finalement, tes parents vont bénéficier quoi de toi? Vanessa, tombe en scène, tu gardes l'enfant. Non, les avortements, c'est toi. Les cils, c'est toi. Les faux cheveux, c'est toi. Gagner avec les enseignants, c'est toi. Bon, les comprimés, c'est toi. Les boosters, c'est toi. Les sorties, c'est toi. Tu es sur TikTok. Les vidéos sur vidéo. L'année passée, tu as fait les vidéos. Ngozaberi, Vanessa. On blague avec le Cameroun. Hein. Le pays, c'est la magie. Quand tu vois déjà un petit frère qui commence à te parler, il te dit que grand, avec tout le respect qu'il te doit. Sache que le petit frère là va te jam le respect, mal mauvais. Il va même te taper. Le grand frère dit, pourquoi ta bouche sang comme ça? Oh, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure.